Delta Radio, you're the last one in the log today, and you are 5 and 8 into the book. Yeah, roger, roger, Kevin, yeah, you're 5 by 9 here. You're about a 5 by 9, 59 here into North Ireland, Kevin, QSL. Alors, ça c'était. Voilà. Alors. Alors. Petit test. Alors, ça. C'est avec l'antenne là. Merde, je sais pas si on voit bien. Bien sûr que non. Voilà, si. Et mais là, 30+, donc il y a un petit préampli là-dedans. Hop, là, un petit morceau d'acier. Voilà, avec un préampli donc. Et donc là, c'est la position là. Hein? Et quand je passe sur l'autre antenne, bien sûr, là on va parler, voilà, ben l'autre antenne, c'est l'antenne Loop, fabrication donc de Echo Zero, Echo Romeo Oscar. Voilà, petite loupe en coaxial avec un petit condensateur variable qui couvre, donc cette antenne couvre le 12 mètres, le 11, le 10, le 15, le 17 et le 20 mètres. Et encore là, je l'ai dirigé comme ça pour avoir le meilleur signal. Voilà. Et l'autre, Made in China, là, bon, avec un préampli, hein, c'est toujours pareil. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Hein. Voilà, voilà. Mais bon, il faudrait voir avec un préampli ce que ça donnerait. Hein. Et donc, cette antenne là, de Echo Zero, Echo Romeo Oscar, accepte une puissance de 25 watts. Voilà. Voilà, voilà. Donc, la petite démonstration qui n'est pas. Voilà, Zulu, bravo. Bravo Tango, je crois. Si j'ai bien retenu. Voilà, donc on voit quand même la différence. Voilà. Alors, c'est de tourner l'antenne. Donc celle-là, je peux la tourner. Alors. Voilà. Voilà, donc pas une antenne miracle, hein, s'il n'y a pas de préampli, voilà. Ce qui est bien, c'est que bon, à la limite, peut-être en C double, voilà, ou en FT8. Alors, c'est quoi ça? Ah, bah, je suis désolé. Là.
J'ai mon pitbull croisé Doberman qui vient m'amener la poule. Voilà, donc elle aime bien jouer. Oh là 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 là, ça y est, elle lui fait sa fête, hein. Allez, c'est parti.